Le titre de roi 2018 m'avait failli faire passer le casting de l'émission, la célèbre émission Danse avec les stars. Moi, j'y croyais. Je croyais être à deux doigts de passer ce fameux casting. Au final, c'était deux gros doigts, deux doigts comme de ceux de la main d'un bûcheron canadien, mais deux doigts, c'est deux doigts. Comment en suis-je arrivé là? Je vous l'explique. En fait, cela était dû à l'erreur commise par une dame d'origine slovaque qui était danseuse et qui elle-même avait des doigts de bûcheron canadien, qui, au moment de taper sur un moteur de recherche type Google, après un roi des meneurs, entendez, un roi des meneurs de rue, un roi des danseurs, avait tapé par inadvertance, avec ses grands doigts, roi des menteurs. Je ne vous cache pas ma stupéfaction lorsqu'elle m'a contacté. Cela se passait aux environs du 15 janvier dernier, et ça donnait ceci. Allô? Allô, Dominik? Dominik Liégeois? Je suis Oksana. Oksana au plus haut des cieux. Je suis une danseuse d'origine slovaque et la production de Danse avec les Tsars m'impose de trouver rapidement un partenaire pour le casting de 2019. Dominik, j'ai besoin de vous. Je ne vous dis pas mon étonnement. Elle m'a expliqué qu'elle avait d'abord pensé à Charles Aznavour, mais que l'intéressé n'avait plus donné signe de vie depuis quelque temps. Je lui ai demandé alors pourquoi elle s'était tournée vers moi et elle me dit « Madame Meinig, j'ai vu sur Internet que vous êtes le roi des danseurs et des Cabris d'Albret. Vous avez été porté en triomphe dans les rues de Montcrabaillou. Madame Meinig, vous êtes un grand danseur. J'ai besoin de vous. » J'étais prêt à lui expliquer la méprise lorsqu'elle a ajouté d'une voix suave « Madame Meinig, je suis jeune encore. Je suis gay, vive, souple. Et je suis disposé à vous le prouver. » Et là, mon imaginaire m'envoyait déjà danser au bras d'Anna Kournikova ou de Maria Sharapova. Et comme je ne suis pas de nature à rater ce type d'aventure, j'ai dit oui. La dame m'a mis rendez-vous pour le 1er février à Bratislava pour un premier contact et le casting de l'émission. Et là, naïvement, j'ai pensé que TF1 avait pu délocaliser une partie de sa production et qu'il ne fallait pas y voir malice. J'ai donc pris, le soir même, avec un peu d'empressement, des billets sur un vol Ryanair, et le 1er février, j'étais à Bratislava. Et c'est là que je me suis rendu compte que je m'étais foutu dans un solide merdier. Le premier choc, ça a été la rencontre avec la production. Et je me suis rendu compte que j'étais là, effectivement, pour le casting de l'émission Danse avec les Tsars. Une réplique low cost de l'émission de TF1, low cost comme mon vol sur Ryanair d'ailleurs, qui n'avait absolument rien à voir avec l'émission qu'on connaît tous. Par la suite, j'ai fait la connaissance d'Oksana. Et là, je me suis dit en moi-même, Seigneur Jésus Marie-Joseph. En gascon, je leur ai dit, il députe Macarel. En wallon, on dirait, qu'est-ce qui m'a chie ça et qu'il n'en a recouillé. Je ne sais pas si la dame m'a fait d'abord penser à Yvette Horner, pour ses cheveux roux, bouclés, pour ses dents écartées, tout en dehors de sa bouche. Ou bien si elle m'a fait penser à Andorra, la maman de la sorcière bien-aimée, pour ce maquillage limite vert fluo qu'elle avait étalé sur ses paupières, mais d'un coin de l'œil à l'autre. Notez qu'il y avait en elle un petit quelque chose de Gina Lollobrigida. C'était cette poitrine peu commune qu'elle portait fièrement, mais au niveau de la taille. Bref, j'étais loin de la blonde tenniswoman longue et lancée, type Sharapova ou Kournikova, j'étais plutôt dans le stéréotype même de la poupée russe, mais alors le grand modèle, celle dans laquelle vous pouvez en emboîter aisément mille autres. Que soit. Le troisième choc, ça a été quand je me suis décidé à partir discrètement, que j'ai vérifié mon passeport et le billet retour, et que j'ai constaté que dans l'empressement du 15 janvier, j'avais réservé mon vol aller le 1er et le 1 du 2-2019, et j'avais compris le vol retour le 2 du 3-2019. J'étais donc sur place pour un mois, et après tout, j'ai décidé de rire dans mes aventures. Le soir même, j'ai donc accompagné Oksana au casting, et là, tout a foiré. Quand la production m'a demandé sur quelle danse je voulais évoluer, et que j'ai entendu les autres concurrents énoncer des noms de danse que je ne connaissais même pas, du type Charleston, Bossa Nova, Cha-Cha-Cha, pour ne pas paraître moins éveillé qu'eux, moi, j'ai proposé la danse que je connais le mieux, la chenille.
Ah, je ne vous dis pas que le public était assez médusé lorsqu'ils ont entendu les premières notes de « Pose tête de pied en canard ». Oksana l'était tout autant quand je l'ai attrapée fermement par les épaules et que je l'ai emmenée tourner sur le dance floor en criant « Changez !» tous les deux tours et demi. Elle n'avait jamais vu ça, elle n'était pas au bout de ses surprises. Parce que moi je savais que dans nos fêtes populaires, dans nos villages, après la farandole, c'est toujours une série de slow que le disque jockey envoie. Et d'ailleurs, il faut s'arranger à ce moment-là pour amener au centre de la piste celle à qui on n'a pas envie de déposer trois petits bisous furtifs, mais celle à qui on a envie de rouler un patin à lui détartrer les molaires en dansant sur Tiamo d'Umberto Tozzi. Bref, revenons-en au casting. Après avoir tourné en rond pendant 2 minutes, quand j'ai constaté que le régisseur local n'envoyait aucune musique, il a fallu que je compose en vitesse et là, j'ai agrippé ma partenaire par la taille et j'ai entonné à tue-tête le tube de Guy Marchand, Destiné. On était tous les deux destinés. Et encore une fois, ma destinée a considérablement changé. Ma partenaire, elle, je l'ai gérée. Je l'ai attrapée par les bretelles de sa robe, comme on attrape un sac à dos, et je lui ai imposé le déhanché souple de mes 15 ans. Il faut savoir qu'elle m'avait demandé de porter, comme costume de scène, le costume qu'elle avait fait tailler sur mesure pour Charles Aznavour, et que le pantalon en satin, certes, était magnifique, mais il était un petit peu moulant. Bref, dans la chaleur du moment, quand j'ai attrapé ma partenaire, après quelques mouvements collés serrés, c'est au niveau de la fermeture éclair que le pantalon a cédé. Et quand j'ai vu le regard horrifié d'Oksana et que je me suis rendu compte que, comment vais-je dire pour ne pas choquer les enfants qui sont ici, que la volière était ouverte et que le canari était sur la porte, il a fallu que je réagisse. Alors j'ai envoyé une balle dinguée à Oksana, je l'ai fait tourner dans un grand mouvement de rock'n'roll, j'ai baissé ma chemise sur ma quincaillerie, j'ai essayé de rattraper Oksana, trop tard, elle s'est écrasée sur le parquet, les dents en premier, devant le public stupéfait. Et je crois que cette petite erreur de tempo m'a valu cher parce qu'ils m'ont viré sur le champ. Pour le reste, chers amis, je peux vous dire qu'un mois, en plein hiver à Bratislava, avec un guide édenté qui s'appelle Oksana, c'est quand même bien moins romantique que la Place Rouge, le tombeau de Lénine ou le chocolat de chez Pushkin, avec un guide qui se serait appelé Nathalie. Bravo. Thank you.